avoir des règles de communication. J'ai des techniques de communication. Pour pouvoir les suivre et comme ça. Vous savez, moi, il y a une chose que j'aime beaucoup privilégier, donc, et ça fait partie. J'en ai fait un métier en fait. Même si vous voyez dans un exercice ici où je parle beaucoup, et ça peut m'arriver, hein, je crois qu'il y en a des témoins sur la route qui vous a amené de la gare jusqu'à ici, et puis moi ça me détend. J'aime bien secouer les idées aussi. Mais enfin, peu importe. Pour répondre à votre question, apprenez à poser des questions. Apprenons aussi surtout une chose, à ne pas poser des questions et formuler les réponses nous-mêmes. Quand je pose une question, je suis en attente d'une réponse de l'autre. Je ne fais pas les questions et les réponses. Je ne fais pas de présupposés non plus. Ah, tu fais ceci, donc ça veut dire ça, ta 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 ta. Je pose une question. Et moi, il y a une question que j'aime bien, qui est très puissante, pour pouvoir remonter finalement aux motivations de faire les choses. Et cette question, elle est toute simple, on peut la poser en boucle. En quoi est-ce important pour toi de... Et de reconnaître qu'elle a le